Bonjour et bienvenue à tous sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier. Et aujourd'hui, je vous l'ai promis, je vais répondre à toutes vos questions sans détour. Et bien entendu, sans langue de bois. Donc, vous connaissez le principe. À chaque fois que l'un d'entre vous voudra me poser une question, il faudra lever la main. Lorsque j'ai apporté la réponse, si la réponse est claire pour tout le monde, on met un petit pouce. Si la réponse n'est pas claire et que vous souhaitez avoir davantage d'informations là-dessus, paf, une petite main vers le bas. Alors, au cours de ce webinaire, je vais vous poser quelques questions, des questions qui sont en rapport avec votre formation. Vous avez le chat qui est juste en dessous, hein, apparemment vous l'avez tous remarqué, sur lequel vous pourrez poser vos questions. Donc pour le moment, vous êtes 10, il y a de fortes probabilités que d'autres personnes viennent entre-temps. Vous étiez censé être 35 aujourd'hui. Donc, ça fait un tiers, ce n'est pas suffisant. Aïché, ça se prononce Aïché. Ok, d'accord. Donc, Imen, on va patienter un tout petit instant, s'il te plaît. J'ai bien vu ta question et tu seras la première à avoir la parole. Amel, tu veux bien baisser la main, s'il te plaît? Alors, on va commencer, on va aller dans l'ordre, s'il vous plaît. Je réponds à la question de Imen. Ensuite, vous, de votre côté, vous préparez votre question sur le chat. Sans valider, ne mettez pas entrée. Hein, de manière à ce que, au moment où je vous donne la parole, à ce moment-là, vous mettez entrée et vous baissez la main une fois que c'est fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si c'est le cas, je vous demande de mettre un petit pouce vert. Super. Alors, Amel, elle doit être en train de faire la vaisselle. Bon, ok, c'est bon, vous pouvez baisser la main. On va commencer par Imen. Alors, qui me dit Pop, Imen, tu vois, tu m'as pressé. On va attendre un petit peu. Est-ce que vous avez branché un micro? Si vous avez branché un micro, vous mettez un plus comme ça, là. Imen, apparemment, tu as un micro? Non. Catalia, tu as un micro? Super. Lily, tu as un micro? Impeccable. Mina aussi, super. Alors, lorsque je vous donne la parole, vous n'hésitez pas à parler. Hein. Alors, on va commencer par Imen. Apparemment, elle n'a pas de micro. Alors, Imen me dit, alors moi, je passe demain, Inch'Allah. Je passe, Inch'Allah, après demain et j'ai un petit doute. Mon père me dit de garder point mort au feu rouge et le moniteur me dit de mettre la première. Pouvez-vous, pour démarrer plus vite, qu'en pensez-vous? Imen, c'est une bonne question. Alors, il faudra toujours écouter ton père dans la vie de tous les jours, mais en l'occurrence, là, c'est ton moniteur qu'il va falloir écouter. Je vais te donner un détail de plus. Lorsque tu as arrêté un feu, il y a deux feux. Il y a le feu tricolore pour les usagers et puis il y a le feu de piéton. Donc, si le petit bonhomme, il est vert, hein, il est vert, c'est-à-dire que les piétons vont pouvoir traverser. À ce moment-là, tu peux rester au point mort. Dès que tu vois que le petit bonhomme, il passe au rouge, ça veut dire que les piétons n'ont plus le droit de traverser et qu'a priori, le feu va passer vert. Donc là, à ce moment-là, tu prépares ta première. Voilà pour ma réponse, Imen. Ai-je répondu à ta question, Imen? Ok, ça roule. Alors, tu mets un plus comme ça. En attendant, je vous demande à tous... Ah ben non, il y a des mains... on va commencer par Amel. Amel, rappelle-moi, est-ce que tu as un micro, oui ou non? Si tu as un micro, tu mets un pouce. Bon. D'accord, tu n'as pas de micro. Tu peux poser ta question. Amel, tu peux poser ta question dans le chat. Merci. J'ai souvent du mal à savoir combien notre vitesse est limitée. Ouf, Amel, tu me fais rire. Je passe mon permis à Vélizy. Eh ben, bon courage, Amel. Vélizy, ce n'est pas le centre d'examen que je préfère. J'y ai travaillé quelques fois et en toute franchise, c'est un peu galère. Bref, en ce qui concerne ta question... C'est simple.
pour savoir à quelle vitesse on est, premièrement, il faut que tu regardes les panneaux, Amel. D'accord ? C'est parce que tu as probablement un problème d'attention ou de regard. Première des choses. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Lorsque tu es en agglomération, la vitesse, elle est limitée à 50 km/h. On est d'accord là-dessus. Ensuite, il va y avoir des zones qui vont être réglementées, donc à 30 km/h, par panneau ou par marquage au sol. À chaque fois que tu vas tourner dans une rue, la limitation de vitesse, elle va être indiquée juste à l'entrée de la rue. S'il n'y a pas de limitation de vitesse, c'est qu'a priori, la vitesse est limitée à 50. C'est le premier élément. Mais je comprends en fait dans ta question que tu parles probablement des voies rapides et de l'autoroute. Alors en ce qui concerne Vélizy, si mes souvenirs sont bons, tu as une limitation à 90 km/h. Je ne suis pas sûr. Pour avoir cette information et être sûr de ça, il va falloir que tu ouvres tes yeux. Hein ? Lorsque tu fais ton insertion sur la voie rapide, il ne faut pas que tu sois focalisé que sur devant toi ou que sur derrière toi. Hein, tu vas aussi avoir un panneau de limitation de vitesse. Et ce panneau de limitation de vitesse, si tu es capable de le regarder au loin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ton insertion sur autoroute, tu regardes au loin, le panneau de limitation de vitesse de cette autoroute, il sera juste après le CD le passage. Voilà. En espérant avoir répondu à ta question. Alors, ensuite... Diodio, bonsoir Mounir, j'aimerais savoir s'il y a d'autres moyens de se faire financer que ceux évoqués sur votre site car j'ai plus de 35 ans. Merci Mounir. Amel, j'ai pas donné réponse à ta question. Tu gardes un pouce baissé. Imen, tu as un pouce baissé. S'il vous plaît, vous voulez tous baisser la main ? Et tout de suite après Diodio, ce sera... Prevost de Boulogne. Hein, donc tu prépares ta question, Prevost, s'il te plaît. Ça roule. Alors, s'il y a d'autres moyens de se faire financer le permis, moi, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Une auto-école, c'est une entreprise. Derrière le mot entreprise, il y a le mot centre de profit. A priori, si l'entreprise elle est toujours en place, c'est qu'elle génère des profits. Et elle a pour but de générer des profits, sinon ce serait une association. Sur le blog de la Drive Academy, je vous ai donné quelques moyens pour pouvoir vous faire financer votre permis de conduire. Bien sûr, ces moyens-là sont restreints en fonction de votre situation et en fonction de votre âge. Donc, Diodio, j'ai bien compris. Il y a une élève qui est venue me voir récemment. Une élève qui est venu me voir pour s'inscrire. Donc, c'était une cliente à l'époque. Et puis, c'était pendant la période de congé de mon assistante. Donc, j'étais au bureau. Et puis, je ne suis pas un professionnel du ménage, hein, notamment les vitres. Ce n'est pas ma spécialité non plus. Hein, le couscous pour ceux qui ont suivi le premier exemple et les vitres pour vous maintenant. Et puis, elle est arrivée, elle est rentrée dans l'auto-école. Elle me dit, écoutez... faites quelque chose pour moi et moi je vous fais vos vitres. J'ai été super surpris de la proposition. Mais après tout, pourquoi pas? Je veux dire, Diodio, si tu es expert comptable, tu es comptable, tu as une profession qui peut apporter un plus à l'entreprise, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à lui dire, voilà, je sais faire des sites internet, je m'engage à vous amener tant de personnes. Il faut que l'exploitant de l'auto-école... parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un exploitant, il y voit son compte. Et ensuite, il y a une seconde partie, c'est qu'il va falloir mettre ça sur le contrat. Il faut que tout soit légal. Je m'engage à faire ça, donc c'est ce qui va se passer. En dehors de cette possibilité, éventuellement de trouver un mécène, hein, une personne qui pourrait financer ta formation, ou les différents organismes, malheureusement, je ne vois pas d'autres moyens, Diodio. Par contre, il y a ce qu'on appelle des auto-écoles associatives, ou sinon la possibilité de le passer en candidat libre. En espérant avoir répondu à ta question, Diodio. Donc, Prevost, s'il vous plaît, on va tous baisser la main. Hein, donc, vous restez sur « I am fine ». Et Prevost, tu vas me mettre un pouce en l'air si tu as un micro. Et si tu n'as pas de micro, tu mets un pouce en bas. Ok, d'accord. Alors, je réponds à ta question comme ça.
J'ai des problèmes avec les panneaux ou les ronds-points. Enfin, avec tout ce qui se rapporte aux directions, je ne sais pas diriger, me diriger, c'est ce que me dit mon moniteur. Prevost. Alors, Prevost, comment dire ? Sylvie, merci, je préfère. Sérieusement, je préfère Sylvie. Sylvie, écoute-moi. Tu me mets tout de suite, s'il te plaît, dans le chat le nombre d'heures que tu as fait avec ton auto-école. Excuse-moi, c'est vrai qu'il y a la caméra. 45 heures, Sylvie. Et tu n'arrives toujours pas à regarder autour de toi ou à te diriger. Alors, les ronds-points, les panneaux, etc. Il existe parfois des freins à la progression. Et quand je parle de progression, ce n'est pas la progression dans la formation. C'est la progression, le cheminement sur la route. Si tu commences par appréhender, à avoir peur d'une indication ou d'une information que tu perçois, à savoir un giratoire, tu arrives à voir un giratoire et que tu commences à te poser des questions, naturellement, ça ne laisse pas le temps à ton esprit de prendre les bonnes décisions. Il faut impérativement que la théorie soit claire. Alors, non seulement il faut qu'elle soit claire, mais en plus de ça, il faut qu'elle soit assimilée. Parce que souvent, des gens me disent « Si, si, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas. Je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas. » Mais ça veut a priori dire que ce n'est pas spécialement assimilé. L'assimilation, c'est le fait que notre cerveau soit en mesure de pouvoir ordonner quelque chose dans un laps de temps relativement court sans pour autant avoir besoin de réfléchir. Il y a quelques exercices que je fais avec mes élèves donc, qui consistent à faire en sorte à ce que leur regard soit projeté plus loin. Parce que, en tant qu'apprenti conducteur, ou en tout cas conducteur en formation, parce que c'est l'intitulé exact, vous avez tendance à regarder très, 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 très près de vous, à gérer votre environnement immédiat. Et puis, au fur et à mesure de la formation, tu as dû constater que ton regard commençait à se porter un petit peu plus loin. Moi, je pense que c'est un problème d'observation, Sylvie. Je pense que c'est un problème d'observation. Il va falloir que tu fasses en sorte à regarder plus loin. Pour ça, je suis en train de faire une petite vidéo. J'ai tout mon matos là. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui, mais je me ferai un plaisir, Sylvie, hein, en tant que fidèle auditrice du blog, à la limite, tu m'enverras ton numéro de téléphone et je te passerai un petit coup de fil. Parce que il faut vraiment qu'on échange. Il faut vraiment qu'on échange. Et là, en l'occurrence, je ne peux pas monopoliser tout le temps qui est consacré au webinaire à ta question. J'espère que tu auras compris. Voilà. Donc, tu m'enverras ton numéro de téléphone. Je te passerai un petit coup de fil et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais ne t'inquiète pas. Hein, tu as du mal à aborder les situations et les ronds-points. Donc, ensuite, je vais donner la parole à Lily. En fait, là, je viens d'avoir un message me disant que il y avait un souci avec ton micro. Donc, je vais bientôt passer mon permis dans le centre d'examen de Villepinte en octobre. Ouais, je vais pouvoir répondre à cette question de manière précise. Je connais parfaitement ce centre d'examen, Lily. C'est une date que j'ai demandée car du fait de mes heures passer à conduire, mais je ne sais pas si je suis prête. Ai-je bien fait de demander une date de passage ? Lily, tu vas me taper la ville, s'il te plaît. La ville où tu es inscrite, la ville de ton auto-école. Ne me donne pas le nom de ton auto-école, mais juste la ville, s'il te plaît. Le Bourget. Bon. Tu as bien fait de demander une date d'examen. D'accord, tu as bien fait de demander une date d'examen. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre pour pouvoir réussir cette épreuve ? Tu me mets juste le nombre d'heures ? Et Mina, je répondrai à ta question juste après.
All attendees are muted. Lilith, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 70 leçons. Mais bon. Ce qu'il faudrait, c'est relativiser un petit peu. Est-ce que tu es déjà allé conduire avec quelqu'un? Je ne sais pas, ton mari, si tu en as un. Bref, avec une tierce personne. Oui, une fois avec ma cousine. C'est peut-être pas la meilleure solution. Bref, comment est-ce que ça s'est passé, Lily, avec ta cousine? Bah oui, très bien. Eh bien, écoute, si ça s'est très bien passé avec ta cousine, il n'y a aucune raison que ça se passe mal le jour de l'examen. Tu ressens moins de stress, c'est très très bien. C'est très très bien. Impeccable. T'as même pas à te prendre la tête. Si ça s'est bien passé avec elle, il n'y a aucune raison que ça se passe mal avec l'inspecteur. Hein, parfois, avec d'autres personnes, on a des difficultés, etc. On est stressé, patipata. En l'occurrence, si ça s'est bien passé, elle est belle l'histoire. Donc, en ce qui concerne le centre d'examen de Villepinte, j'ai fait un petit article très court sur le blog, mais qui va être étoffé dans les prochains jours. Donc, dans le courant du mois de septembre, vous allez avoir plus d'informations sur le centre d'examen de Villepinte. Voilà. Il faut que tu sois détendu parce que c'est un centre d'examen sur lequel il n'y a pas trop de difficultés. Alors, ça dépend bien entendu du trafic et de l'heure à laquelle tu vas le passer. Mais je m'étonne que tu saches déjà que tu le passes à Villepinte au mois d'octobre alors qu'on n'a pas encore reçu dans le 93 nos places d'examen du mois d'octobre. Ça, c'est chelou, ça. Aïssé, Korkmaz, et juste après Aïssé, ce sera Catalia. Aïssé, je veux que tu me poses ta question, et juste après Aïssé, je veux que Catalia me pose sa question. J'ai du mal lorsqu'il s'agit de rétrograder. Quand je dois le faire, je panique et je ne le fais pas dans le bon ordre. Ok, Lily. Ok, si c'est octobre, d'accord, mais pour l'instant, tu n'as aucune garantie que ce soit au mois de septembre. Voilà, pour le commentaire. Et donc, pour revenir à la question de AIC, j'ai du mal lorsqu'il s'agit de rétrograder. Quand je dois le faire, je panique et je ne le fais pas dans le bon ordre. AIC, tu mets juste le nombre d'heures que tu as fait, s'il te plaît. Ah, c'est tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, AIC. 7 heures de conduite, c'est pas grave. Franchement, c'est pas un souci. Hein. Et de toute façon, je vais même te dire une chose. Tant que les vitesses sont passées correctement avec le frein moteur, tu sais l'utiliser. Au terme de ta formation, hein, je parle pas de tout de suite. Hein. À partir de là, t'as pas de souci à te faire. Parce que même le jour de l'examen, s'il y a une secousse ou quoi que ce soit et que tu bugs, c'est pas grave. C'est pas fondamental. C'est pas un souci. Le plus important, c'est d'être en mesure de pouvoir le faire. Mais vu le nombre de leçons que tu as fait, franchement, il n'y a pas de souci. Catalina, je vais répondre à ta question un tout petit instant. Ah, ça fait du bien. Catalia, pardon. On m'a jamais parlé du point mort. Si je l'oublie de le mettre devant l'inspecteur, nous enlève-t-il des points? Merci. Non, mais à la limite, je pense que ça revient à la question qui m'a été posée tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais en fait, il faut vraiment comprendre à quoi ça sert le point mort. Premièrement, ça va nous permettre de nous reposer la jambe, parce qu'avoir le pied enfoncé sur l'embrayage, au bout d'un moment, ça peut commencer à fatiguer. Ensuite, c'est une sécurité. Hein ? Pars sur le principe que tu as le pied enfoncé sur l'embrayage, tu es arrêté à un feu, paf ! T'es en première, que t'as une crampe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vas lâcher ton embrayage et en lâchant ton embrayage, ce qui va se passer, c'est que ou tu vas percuter le véhicule qui est devant toi s'il y a un véhicule devant toi, et pire encore, tu risques de percuter des piétons s'il y a des piétons devant toi. Donc tu te mets au point mort. Et puis lorsque tu vois le petit bonhomme, à ce moment-là, tu repasses la première.
Et l'inspecteur, il va pas te prendre la tête pour ça. Enfin, faut pas déconner, quoi. Arrêtez de croire que inspecteur ou attention les experts, etc. Naninana. Non, pas du tout. Il est là pour gérer une situation globale, pour attribuer des points en fonction d'éléments qui sont produits dans la durée. C'est pas à chaque fois que tu vas réussir quelque chose, il va te mettre un bon point. Tiens, là c'est bon. Ah ben non, là c'est pas bon. Non, faut pas déconner. Peut-être que tu n'auras pas 3, mais 2 points. Voilà, par exemple. Et à la limite, même s'il te retire un point, il n'y a pas de problème. Tu sais que c'est un défaut que tu as, corrige-le et ça évitera ce problème. Ensuite, je vois plein de mains levées. Olivier, je crois que je n'ai pas encore eu le temps de répondre à ta question, Olivier. Olivier, si tu voulais bien préparer ta question, s'il te plaît. Et ensuite, ce sera Mina. Alors, Olivier fait appel à mon expérience et me demande par expérience quelles sont les fautes souvent commises pendant l'examen. L'examen s'arrête si on en fait une ou bien l'inspecteur laisse terminer l'examen. C'est quoi les créneaux les plus faciles? J'ai lu sur une page de ton blog. Alors, il y a plein de questions, Olivier. Je réponds à la première. On va y aller question par question. Les fautes éliminatoires, contresens de circulation. Donc, circulation à contresens, ça, c'est le premier point. L'élève ne s'est pas rendu compte qu'il était à double sens de circulation, il a pensé qu'il était à sens unique. Une ligne continue, ça arrive aussi. Manque d'observation ou peut-être marquage un petit peu effacé. Les sens interdits ou les refus de priorité. Voilà, ça c'est vraiment les erreurs éliminatoires qui reviennent le plus souvent. Mais bon, c'est des erreurs d'inattention, hein. Ensuite, l'examen, est-ce qu'il s'arrête? Non, l'examen ne va pas s'arrêter. Tu vas faire ta période de 35 minutes et tu auras une note globale, même si tu as fait une note éliminatoire. Par contre, si le conducteur est dangereux, si tu as une conduite dangereuse, à ce moment-là, oui, il y a une petite case qui est prévue sur le CEPC, donc sur le relevé de l'inspecteur, relevé de note, où il y aura dit examen non mené à son terme. Et à ce moment-là, ce sera le moniteur qui prendra le volant. Et puis voilà. Ou si on est à côté du centre d'examen, l'inspecteur peut récupérer les commandes brièvement pour aller sur le centre d'examen. C'est quoi les manœuvres les plus faciles? J'ai lu sur mon blog, c'était l'arrêt de précision, la plus simple. Mon moniteur ne m'en a jamais parlé. Pourras-tu me donner plus de détails? Merci. Ok, je réponds tout de suite à ta question. Ensuite, ce sera la question de Mina. Oui, bien sûr, Mina, les priorités à droite. C'est ce que j'entendais par les refus de priorité. Là mon moniteur, plus de détails, merci. Alors, l'arrêt de précision. Le moniteur, s'il t'en parle pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est peut-être dû à un oubli, on dira. D'accord? Alors, l'arrêt de précision, c'est simple. Tu as un poteau. Alors, il faut que je le fasse bien. Paf, voilà, tu as un poteau. Tu as ta voiture. Il va falloir que tu arrêtes ta voiture là, dans cette position-là, que le poteau soit au milieu. À la limite, que le poteau il soit au niveau de la vitre de l'inspecteur. Mais tu préviens, tu expliques que tu vas faire un arrêt de précision. C'est aussi simple que ça. Je t'en prie. Distance de sécurité, ouais. Moi-même, Fram Cernet, salut moi-même, il n'y a pas de mal pour le retard, c'est pas grave. Ça arrive. Ensuite, je reviens sur le long texte de Mina et on donnera la parole à AIC, c'est déjà fait. Imen, on l'a déjà traité. Olivier aussi, Sylvie aussi, mais on refera un tour. Lily, non, moi-même. Eh ben tiens, Tracy, coucou Tracy, comment ça va? Je réponds à la question de Mina et ensuite ce sera à toi. Donc Mina qui nous dit. Le jour du permis, l'inspecteur me donne 5 minutes d'autonomie sur l'autoroute. Et une fois les 5 minutes d'autonomie finies, désolé de me rabattre dans la voie de gauche, donc je contrôle, j'avertis et me place et sors. Que la voiture est trop près de moi, distance de sécurité pas insuffisante. Bref, après, je veux me rabattre dans la voie de gauche, donc pareil, contrôle, avertis et me place. Pour moi, le camion était assez loin. Et me sort que la distance de sécurité n'est pas suffisante. Du coup, je comprends rien. La distance de sécurité, pour moi, était bonne. Alors, Mina et tout le monde, s'il vous plaît, à tous, je vous demande de baisser la main. Merci.
Ok. Alors, la distance de sécurité. La distance de sécurité, donc c'est une distance qui doit te permettre de pouvoir t'arrêter. Merci. C'est une distance qui doit te permettre de pouvoir t'arrêter en sécurité. Et c'est vrai qu'on peut avoir une appréciation assez différente en fonction des personnes. Si on se base uniquement par rapport à la perception de l'individu, « Oh, mais c'est bon, j'ai la place de m'arrêter. Oh, ben si, je vais pouvoir m'arrêter sans problème. » Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Parce que l'inspecteur va percevoir un danger que tu ne percevras pas. Ou toi, tu vas peut-être penser que ta distance est trop courte, alors que lui pensera qu'elle est bonne. Il va falloir se baser sur des faits précis. Et ces faits-là, ça va être le calcul de ces distances de sécurité qui vont dépendre de ton allure. Je vous invite tous à jeter un petit coup d'œil sur le blog de la Drive Academy. Vous allez dans la rubrique « Tout sur le permis moto ». Donc, je vais le faire en même temps et vous verrez ça en direct. Paf. Donc, tout sur le nouveau permis moto. Et puis, vous allez chercher vitesse et freinage. Alors, c'est un audio. C'est un audio que vous aurez la possibilité de télécharger. Là-dessus, vous aurez des informations très précises concernant le calcul des distances. Pardon, je coupe ça. Et ces distances-là, on va se baser par rapport au marquage au sol pour pouvoir définir si elles sont bonnes ou pas, en fonction des différents traits qu'il va y avoir. Donc, Mina, ne substitue pas l'implicite au normatif. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que tu mettes en place ta perception des choses au détriment de la perception telle qu'elle nous est faite par le code de la route. Hein, on vous dit 3 fois, enfin vous roulez à 50 km/h, on fait 3 fois le chiffre des dizaines, ça nous fait 15 mètres. Mais c'est ça qu'il va falloir faire. Et pour savoir qu'est-ce que c'est 15 mètres, qu'est-ce que 15 mètres ça représente parce qu'on n'a pas tous le compas dans l'œil, le moyen le plus simple, c'est les lignes au sol. Voilà. En espérant avoir répondu à ta question. Donc là, maintenant, je réponds à moi-même. C'est dommage, Mima, c'est dommage. Je réponds à moi-même. Alors, moi-même me dit, non, s'il te plaît, moi-même, tu vas jouer le jeu, s'il te plaît, tu me mets ton prénom, ce sera plus sympa. Non, je suis pas fâché, mais voilà, vous savez comment je m'appelle, j'ai aussi de savoir comment vous vous appelez. Salut moi-même, moi je m'appelle Mounir, enchanté, et je ne suis pas fâché. Alors, je vais répondre à ta question tout de suite, Hélène. J'ai une autre question sur un carrefour un peu particulier. Prenons l'exemple d'un carrefour en croix. Chaque véhicule a un stop. Qui passe en premier? Hélène, c'est une bonne question à laquelle je vais pouvoir apporter une réponse. Alors, tu prends ton livre de code et tu vas dans les règles de circulation. Paf, voilà. Tu vas dans les règles de circulation et tu regardes le chapitre changement de direction. D'accord? C'est assez précis. J'ai envie de faire quelque chose, s'il te plaît, Hélène. Parce que tu n'as pas été sage et parce que je suis fâché contre toi, je vais te punir. Je te demande, s'il te plaît, Hélène, de faire cette recherche. Et tu m'envoies un email à l'adresse contact@drive-academy.fr. J'attends ton email, Hélène. Je veux que tu me donnes la réponse. Mais au lieu de te la donner directement, ce qui serait assez simple, mais qui pourrait risquer de te... que tu sois confuse dans la compréhension, tu vas aller faire ce travail de recherche et s'il te plaît, c'est ton défi. Tu m'envoies un email me précisant la réponse à ta question. Merci Hélène. Alors, Sylvie, on va faire... Les piétons me stressent. Alors, s'il vous plaît, on va faire juste un petit break. Je réponds à la dernière question. Plus de messages sur le chat, s'il vous plaît.
On fait un tout petit break, 2 secondes. Je réponds à sa question et ensuite, ce sera à moi de vous poser quelques questions. Donc, voilà. Alors, Sylvie me dit, les piétons me stressent, ils traversent n'importe comment, surtout les jeunes, et j'ai peur de les écraser. Ben, encore heureux, Sylvie. Encore heureux. Et je vais même te dire quelque chose. Moi aussi, les piétons m'énervent. Ils m'agacent, et particulièrement en Île-de-France. Ils m'agacent, les piétons. Ils m'agacent parce que, comme tu l'as dit, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils traversent n'importe comment. Par contre, on est en mesure de pouvoir déterminer leurs intentions. On est capable de dire, eh ben, tiens, ce piéton, il a envie de faire ça, il a envie de faire ça. Ils ne vont pas avoir une cagoule sur la tête et partir en courant sur la rue. Ce qui fait que toi, si tu les perçois, si tu vas chercher l'information et que tu les vois suffisamment tôt, tu auras le temps d'analyser ce qu'ils veulent faire. Mais ce n'est pas de les regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, le piéton ? Non, c'est vraiment jeter un petit coup d'œil, regarder la route, contrôler ton rétroviseur pour savoir ce qui se passe derrière, parce qu'au cas où le piéton commence à traverser, au moins tu auras pris le temps de jeter un petit coup d'œil dans ton rétroviseur. Hein ? Tu sauras exactement ce qu'il y a. S'il n'y a personne derrière toi, eh ben, tu ne te stresses pas. S'il y a quelqu'un, tu sais comment tu géreras ton freinage. Et de toute façon, un piéton qui a envie de traverser, il nous le montre. Il nous le montre. Et... excusez-moi, à tous pour ce que je vais dire. Et quand je dis à tous, c'est toutes les institutions représentatives de la profession. Les moniteurs, les inspecteurs, la préfecture, le législateur. Le piéton, il a la priorité. Il le sait qu'il a la priorité parce qu'il est plus faible. Mais souvent, les gens profitent de cette faiblesse-là. Ils vont traverser n'importe comment, comme s'ils étaient, excusez-moi l'expression, je veux dénigrer aucun pays, mais comme s'ils étaient au bled. Allez, je traverse n'importe comment. Allez, vas-y. Et particulièrement dans le sud. Et en Île-de-France. Et dans les agglomérations. De manière générale, partout en France. Les gens ne respectent rien. Mais on est quand même capable de comprendre ce que va faire la personne. On sait que nous avons le droit de traverser. Nous, c'est à nous de circuler. Notre feu est vert. Le piéton doit s'arrêter. Il s'arrête. Il doit s'arrêter. On roule. On ne va pas psychoser sur le piéton. Et de toute façon, le piéton, lorsqu'il est sur le passage piéton ou en dehors du passage piéton, il n'est pas fou dans sa tête. Il regarde. Il voit très bien qu'il y a un véhicule qui arrive. Certains vont prendre des risques et essayer de courir. Mais j'en vois jamais qui marchent tranquillement avec les écouteurs. Parrain, parrain, tout va bien, tout est cool, etc. Hein, généralement, s'ils traversent, ils vont le faire vite. Donc, arrête de te prendre la tête. Franchement, Sylvie, ne te prends pas la tête. La conduite, c'est plus simple que ça. C'est plus simple que ça et ça doit être un plaisir. On doit prendre du plaisir. On doit prendre du plaisir à conduire. Franchement, si c'est énervant, stressant, comment vous voulez conduire, franchement, en toute sécurité ? Donc, détends-toi un petit peu et sois vigilante. Hein, si tu le vois marcher, mais de manière dynamique, si tu le vois commencer à avancer, hein, sois vigilante. Mais si tu le vois, le piéton, et qu'il est à l'arrêt ou qu'il t'a vu et qu'il sait très bien ce qui se passe, les gens ne sont pas fous, hein, ils ne vont pas traverser n'importe comment. Alors, je vais vous poser quelques questions. Je vous demande d'y répondre directement. Vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître à l'écran. Et ensuite, je vois une question de Imen. Hein, pendant que vous répondez aux questions, moi, je jetterai un petit coup d'œil. Hein, vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît. Sylvie et Catalia et Imen, merci. Alors, je vous envoie mon questionnaire. Alors, avez-vous déjà une place d'examen ? Vous pouvez directement me soumettre vos votes. Ok, donc à 63%, vous ne l'avez pas encore. À 36%, vous l'avez. Les 36% qui ont une place d'examen, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Je vous demande de rester jusqu'à la fin. Vous restez jusqu'à la fin et à ce moment-là, on aura peut-être le temps de faire un petit entretien ensemble. Je vous donnerai 2-3 petits conseils plus spécifiques compte tenu du fait que vous avez déjà votre place d'examen. Ok, on va passer à la question suivante.
Donc, pensez-vous passer votre permis de conduire dans un mois, dans 2 mois ou dans plus de 2 mois? C'est parti. À l'unanimité, vous pensez le passer d'ici un mois. D'accord. Ok. Question suivante. Avez-vous déjà parlé de la Drive Academy? Oui, à mes proches. Oui, sur les réseaux sociaux. Non, non, mais je vais le faire. Mais ça va pas ou quoi? Je préfère garder le secret pour moi. Ok, donc pour 62%, vous en avez parlé à vos proches. Continuez, merci. Hein. Et la personne qui n'a pas voulu parler et garder le secret pour elle-même, j'essaye de faire preuve de générosité en transmettant mon savoir. J'apprécie que tu fasses preuve de générosité en transmettant le secret. Hein. Et puis pour tous les autres, les personnes qui ne l'ont pas faite et les personnes qui l'ont déjà faite, continuez, ça me fait un bien fou. On va passer à la question suivante. Avez-vous déjà essayé de passer, de conduire en dehors de votre auto-école? Waouh! Ah ouais, quand même. À 63%, vous avez déjà essayé de conduire en dehors de votre auto-école. Et si vous êtes avec moi maintenant, c'est qu'a priori. Voilà, c'est pas sorcier. Et bien entendu, j'espère que c'est dans un cadre légal, hein, que ce soit clair. Allez, il nous reste 2 petites questions. Alors, une offre de coaching sera prochainement disponible sur la Drive Academy. Que souhaiteriez-vous y voir? De nouvelles vidéos de formation? De nouveaux podcasts? Un e-book? Un contact personnalisé tous les mois? Ou des défis à relever? C'est parti! Ok, donc comme ça c'est clair, ça sert à rien que je prépare, enfin que je termine mon e-book parce que je suis en train de préparer un e-book en fait. C'est un livre électronique en fait. Hein. Et un podcast, c'est exactement ce qu'on est en train de faire maintenant, sauf que c'est une émission de radio que vous pouvez emmener dans votre, sur votre baladeur, sur votre téléphone, écouter dans la voiture. Ah non, oups, vous n'avez pas le permis, vous ne pouvez pas écouter ça dans la voiture. Mais en faisant la vaisselle, je vous garantis que c'est pas mal. Donc, à l'unanimité, ou quasiment, de nouvelles vidéos de formation, un contact personnalisé tous les mois et des défis à relever. Alors, restez à l'écoute. Hein. L'offre de coaching de la Drive Academy, elle va bientôt apparaître. Et je vous garantis que j'espère que ça fera une révolution. Une révolution pour vous qui passez votre permis de conduire. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, vous êtes sensibilisé à la recherche de savoir. Vous voulez rechercher des informations. Qu'a priori, vous savez que je suis là pour vous donner de bonnes informations, ou en tout cas des informations concrètes et réelles en ce qui concerne votre objectif. Selon moi, ce qui est difficile pour le candidat, c'est vraiment d'avoir des informations. Parce que lorsque vous êtes dans votre voiture, quand tout se passe bien avec votre moniteur, l'élève moyen va enregistrer 30% des informations qu'on va lui communiquer. 30% des informations qu'on va lui communiquer seulement. Et donc, naturellement, c'est beaucoup plus facile d'avoir son moniteur dans sa poche. J'ai tendance à dire, je suis un moniteur sur pattes et la Drive Academy est un moniteur sur page. On va passer à la question suivante et ce sera la dernière question. Ensuite, on va faire une petite pause de 2-3 minutes, juste histoire de boire un petit coup. Alors, c'est parti. Donc, en ce qui concerne l'offre de coaching, selon vous, quel serait le prix le mieux adapté? 7 euros par mois, 17 euros par mois, 27 euros par mois, 37 euros par mois ou je suis prêt à payer beaucoup plus pour réussir?
Ouais, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Et tellement intéressant que je pense que vous serez tous satisfaits. Alors, merci à tous d'avoir répondu à ce questionnaire. Je vais vous mettre en pause une petite minute. Hein, ensuite, il nous restera un gros quart d'heure. Préparez-moi une question, chacun. Ne me faites pas plusieurs fois entrer pour faire court, parce qu'au final, vos messages vont se confondre avec les autres messages, c'est le principe du chat. Posez-moi une grosse question si vous voulez, et puis ensuite, vous ne touchez plus à votre clavier. D'accord ? Préparez le temps de poser une grosse question, et je me ferai un plaisir d'y répondre d'ici deux petites minutes, juste le temps pour moi de faire un petit réglage. À tout de suite. Merci à tous d'avoir patienté. Alors, je vais répondre à vos questions. Je vais commencer par Mina qui dit c'est bien aussi les podcasts. Ok, merci à tous. Je vous laisse 5 secondes pour terminer d'utiliser votre clavier. Ensuite, le clavier, vous le mettez de côté. 5, 4, 3, 2, 1. On pose les claviers. Je ne veux plus entendre un seul ting, 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 ting. Ah, c'est qui ça? Toujours en retardataire. Mina, dans une intersection, j'ai du mal à tourner. Oh là là, les tueurs. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Finissez de poser votre question et, puis, et ensuite, c'est fini, on arrête les claviers. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ok, d'accord. Bonne soirée. À demain. Vous m'enfermez? Et tu dis au revoir à Angéline de ma part? Ok. Ciao, bonne soirée, à demain. Alors, ok, c'est bon. Donc oui, c'est vrai et sérieux, je te remercie beaucoup. Depuis que j'ai trouvé ton site, j'ai appris plein de choses. Je t'en prie, Mina. Je t'en prie, je t'en prie. C'est fait pour ça. Catalia, vos vidéos sont top, j'apprends avec alors que mes moniteurs n'ont rien fait. Alors, Catalia, merci. Merci, 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 merci. Mais... j'aime pas entendre ça. J'aime pas entendre ça ou j'aime pas lire ça. Même s'il se pourrait que ce soit la réalité, j'aime pas ça. Parce que je pense vraiment que chaque moniteur est différent et chaque moniteur s'adapte vraiment à son élève ou en tout cas essaye de s'adapter à son élève. Et je préfère accorder le bénéfice du doute aux gens, même si je ne remets pas du tout en question ce que tu es en train de me dire, hein, Catalia. Hein. J'ai aussi connu des moniteurs qui faisaient n'importe quoi. D'ailleurs, ça s'est même vu. Hein, lorsque j'ai déposé une offre d'emploi, j'ai reçu des visites super cheloues. Bref. Ensuite, Amel qui dit tout à fait Catalia. Je suis d'accord avec toi, Amel. Moi-même... Hélène, qui me disait « Mounir, si tu pouvais faire une nouvelle vidéo sur le rangement en bataille avec repère, merci. » Alors, Hélène, je pense que tu as dû m'envoyer un email ou un commentaire sur YouTube en rapport avec la vidéo « Rangement en bataille ». L'idée, c'est que la vidéo, elle a été faite de manière à vous montrer de manière simplifiée comment faire. Ensuite, en ce qui concerne les repères, le mieux... Hélène, c'est que tu te trompes. Tu chopes ton moniteur et tu lui dis, bon allez, on va dire que c'est moi. Tu viens me voir à l'auto-école, à un moment où tu sais que je suis là. Tu viens me voir et tu me dis, Mounir, lors de notre prochain cours, j'aimerais qu'on travaille
les rangements en bataille. Emmène-moi dans un parking où il y a du monde. Basta. Il faut thématiser les cours. Il faut avoir une véritable stratégie de formation. Pas le jour même, hein. Pas le jour même, hein. Ne lui dis pas ce qu'il doit faire le jour même parce qu'il a déjà probablement prévu autre chose, et notamment pour toi. Et à ce moment-là, vous allez sur le parking. Et sur une leçon d'une heure ou de deux heures, il faut que tu t'exerces, il faut que tu te trompes. Mais c'est pas « Oh, je me suis trompé, je recommence. » Hop, hop. On va agir avec méthode. Je me suis trompé, oui. Mais pourquoi? Comment est-ce que je me suis trompé? Quelle a été la cause de mon erreur? Et essayez de comprendre. Et puis, il va y arriver un moment où tu vas réussir à faire ton rangement en bataille. Et quand tu as réussi ton rangement en bataille, c'est pareil. Soyons méthodiques. Ne dis pas « Ouais, chouette, j'ai réussi !» Pas « Pourquoi est-ce que j'ai réussi ? Quels ont été les repères que j'ai pris ?» Il faut vraiment être méthodique, Hélène. Si vous n'avez pas de stratégie d'apprentissage, franchement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. J'essaye d'apprendre à faire le couscous. Et si je parle du couscous, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce problème du couscous, c'est important pour moi parce que j'aime ça, mais surtout parce que ça me permet de me mettre à la place de mon élève. Mon élève a des difficultés sur un point. Peut-être, Hélène, qu'en prenant 20 minutes, allez, peut-être une heure de cours avec une cuisinière pour apprendre à faire le couscous, tu y arriveras au bout d'une heure. Mais moi, je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors que certains le font de manière super facile. Et en fait, j'essaye d'apprendre à le faire pour me mettre à la place de mon élève, pour toujours me dire, Mounir, c'est vrai que tu sais faire des choses. Pour toi, c'est évident. Se garer de cette manière-là, c'est super facile. Se garer de cette manière-là, c'est super facile. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. La preuve, c'est que tu es aussi dans cette situation-là. Que je suis aussi dans la situation, dans ta situation, Hélène. Donc, travaillons avec méthode. Soyons méthodiques. Sinon, on ne va pas y arriver. Et moi, je m'engage à apprendre à faire le couscous avant la fin de l'année, de cette année. Et peut-être que notre repas du nouvel an, ce sera un couscous que moi, j'aurais fait. Peut-être, hein. Je suis en train de prendre des engagements, j'espère que je vais pouvoir les tenir. Et à la limite, si ça se fait, je ferai une vidéo. Et j'espère que, en regardant cette vidéo-là, Hélène, tu te souviendras de la difficulté que tu as eue et que la difficulté que tu as pour te ranger en bataille, c'est une difficulté qui est liée à la conduite et que d'autres personnes ont d'autres difficultés. Mais qu'en travaillant de manière méthodique, on peut arriver à un résultat. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de méthode. Et pour répondre à ta question, non. Je ne ferai pas de vidéo avec des véhicules et des repères concernant le rangement en bataille. Parce que je ne veux pas que vous soyez lobotomisés. Je ne veux pas que vous fassiez des choses juste parce qu'on vous a montré comment le faire sans comprendre. Le plus important, c'est la compréhension. Si on fait des choses machinalement, tu vas changer de voiture, tu vas changer d'espace, peut-être qu'une voiture sera mal garée, peut-être qu'elle sera trop près de la ligne, tu vas prendre mes repères et là, ça ira à la catastrophe. Par contre, si tu travailles de manière méthodique et que tu gères le déplacement de ta voiture en fonction de l'espace disponible, là, il y aura beaucoup plus de chances d'y arriver. Voilà, Hélène, j'espère avoir répondu à ta question. Alors, ensuite... Oh là, il y a beaucoup de questions. Donc, je suis arrêté là. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, Sylvie, je n'ai pas d'autres questions. Je n'ai pas d'autres problèmes avec la conduite. Et puis, vos vidéos m'ont facilement aidé pour beaucoup.
Bah merci Sylvie, je suis très content. Franchement, je suis très 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 content. Mina. Moi, j'aimerais savoir pour le créneau à gauche, quand on rentre dans sa place, on braque à fond le volant ou c'est petit à petit, comment voir si tu es bien placé vis-à-vis de la voiture devant et derrière, je parle de distance, lol. Donc j'ai fait une vidéo sur le créneau à droite. Le créneau à gauche, c'est à peu de choses près la même chose. C'est à peu de choses près la même chose. Pour répondre à ta question, le volant, il ne faut pas le tourner à fond tout de suite. Non, on fait avancer le véhicule et on tourne le volant en fonction de l'inclinaison qu'on veut donner au véhicule. C'est pas je braque mes roues à fond et je recule. Ensuite, je braque mes roues à fond et je recule. Ce qui va se passer là, c'est que la trajectoire, elle sera définie non pas au fur et à mesure. Ce ne sera pas du sur-mesure. Voilà, exactement. Ce ne sera pas du sur-mesure, mais ce sera du prêt-à-porter. Et vous avez tous fait l'expérience d'acheter un vêtement de prêt-à-porter. Allez, chinois, indien, marocain, tunisien. Lorsqu'on l'essaye pour la première fois, super, impeccable, ça marche. Waouh, qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis beau là-dedans, etc. Mais il arrive un moment où c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile, c'est plus difficile, pardon. On le met dans la machine à laver. Et qu'est-ce qui se passe? Il a perdu de sa couleur, il a perdu de sa texture, il a perdu sa forme. Et pour certains, ça a rétréci. Donc, il faut que ce soit une conduite sur mesure. Pas une conduite prête à porter, prête à garer, hein, pour reprendre cette expression. Et tourner les roues au fur et à mesure. Voilà, Mina. Alors, Hélène me dit, merci Mounir, je répondrai par mail, promis. J'attends, et je te fais confiance. Ensuite, Inès, ça fait 3 ans que j'ai eu le code. Je n'ai jamais passé le permis. Je passe l'examen à Corbeil, Corbeil-Essonne. Connaissez-vous ce centre? Oui, je connais ce centre d'examen. 2 jours avant la fin de la validité de mon code. J'ai fait 60 heures. Je suis de nature stressée. J'ai peur que l'inspecteur me demande une justification de cette échéance de temps. Quand il verra mon livret, est un frein ou un avantage? Que dois-je mettre en observation dans le livret? Absolument rien du tout. Il va rien te demander. Il n'a pas à te demander. Tu n'as aucun justificatif à lui apporter. Il ne va même pas regarder ton livret d'apprentissage parce qu'il ne regarde plus les livrets d'apprentissage à l'exception de la conduite accompagnée. Mais je vais remonter un tout petit peu plus haut dans ta question. Tu me dis que ça fait 3 ans que tu as eu ton code et que tu vas passer ton examen 2 jours avant. Ça, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Parce que tu vas être à un niveau de stress super élevé. Un niveau de stress super élevé parce que tu vas te projeter et dire « Ah, c'est ma dernière chance. Ah, va falloir tout recommencer. Ah, ceci. Ah, cela. Ça va me coûter. Oh, j'ai plus le temps, j'ai plus le temps. » Imenus, Leïla. J'aime pas ça. Imen, s'il te plaît, mets-moi ton prénom complet. Juste ton prénom. Si c'est Imen, tu lèves le pouce. Et si c'est Leïla, tu lèves la main. Allez. Imen, ok. Alors, Imen, je vais vous dire quelque chose. Alors, je suis patron de mon auto-école depuis 6 ans. D'accord? J'ai créé cette auto-école en 2007. Et mon épouse n'avait pas encore son permis de conduire. Aujourd'hui, elle ne l'a toujours pas. Son code est arrivé à péremption au mois de juillet. On a fait une 60aine d'heures ensemble. Et elle commençait à avoir un niveau franchement satisfaisant, vraiment satisfaisant.
j'ai refusé de la présenter en examen. Parce que justement, je ne voulais pas qu'elle se prenne la tête avec cette histoire de code. Je lui ai dit, écoute, c'est simple. Mon avis est que tu repasses ton code. Mais attention, c'est mon épouse. Ce qui n'est pas le cas pour toi, Imen. Toi, tu dois tout repayer. Elle, ben voilà, elle n'avait pas le payé parce que... Ben parce que voilà. Je lui ai dit, je suis d'avis pour que tu repasses ton code. Ça a mis un froid entre nous. Parce que voilà, elle avait envie de son permis, elle en avait marre de faire les courses, les enfants, etc. Nanana. Donc pour toutes les raisons qu'elle avait. Mais en fait, ma démarche, c'était quoi? C'était, je refusais qu'elle soit confrontée à un échec, à une dose de stress maximale, et puis à un échec. Parce que naturellement, si elle est stressée, elle va échouer, elle va faire n'importe quoi. Et puis, je lui ai dit, ne compte pas sur moi pour discuter avec l'inspecteur ou pour dire, « Ah, oh, vas-y, c'est bon, c'est ma femme, essaye de m'arranger. Ah, oh, tu sais que c'est ma femme. Ah, oh, bah tiens. » Non, 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 non. Parce qu'après, c'est ma voiture qu'elle va prendre. Ou en tout cas, ce sera sa voiture avec mes enfants. Donc, je tiens à elle et à mes enfants. Donc, mon avis, c'était qu'elle repasse son code parce que ça lui permettrait de renforcer ses connaissances pratiques. Parce que justement... Elle avait atteint un bon niveau juste avant que son code se périme. Quasiment un niveau d'examen. Finalement, c'est ce qu'on a fait. Elle va repasser son code, mais c'est mon épouse. Et toi, en l'occurrence, Imen, j'ai vraiment pas envie que tu sois confronté à un échec. Je veux pas que tu sois confronté à un échec parce que si tu échoues, après, tu vas être dans une matrice compliquée. Oh là là, faut repasser le code, oh faut repayer, oh faut ceci, oh faut cela. S'il y a quoi que ce soit à repayer, mieux vaut limiter la casse. Au lieu de devoir repayer des leçons de conduite, plus une présentation à l'examen de code, plus une présentation à l'examen de conduite ou quoi que ce soit, garde ta présentation à l'examen de conduite dans ta poche. T'en perds. Et puis de toute façon, voilà quoi, c'est pas grave. Mais ça, c'était pour un exemple personnel. Et en ce qui concerne ta question... Tu ne te fais pas de soucis, tu vas passer ton permis de conduire, essaie de ne pas être stressé, tu te détends. Si tu dois repasser ton code, tu le repasseras. Tant pis, quelles que soient les raisons qui t'ont poussé à avoir une formation de 3 ans. Il n'est pas là le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand tu seras au volant, tu te sentes bien, que tu sois à l'aise et que tu sois prête. Ne compte pas sur l'inspecteur pour faire preuve d'indulgence. Oh, ben, son code va se périmer. En plus, tu as une première présentation. Ils ont pour consigne de sanctionner les premières présentations. Ou en tout cas, ce que j'entends par sanctionner, c'est plutôt à chaque fois que vous allez commettre une erreur, ils ont pour consigne de mettre en évidence cette erreur-là. Parce que c'est vraiment le seul moment que l'État a un contact avec vous, les futurs conducteurs. Et il y a intérêt à ce que ce contact, il soit respectueux des normes et des règles. Donc si tu fais une erreur, bam! Il va te sanctionner là-dessus. Il va te dire, mademoiselle, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Non, vous n'avez pas fait ça. Attention, ça, c'est dangereux. Il ne va pas hésiter à appuyer. Donc, écoute, tu vas passer ton permis, Imen. J'espère pour toi que ça va bien se passer. Continue à être disponible sur le blog ou quoi que ce soit. Va voir ton moniteur. Si tu as la possibilité de conduire en dehors, n'hésite pas. Et puis, il ne fera rien vis-à-vis de ton livret. Il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout, c'est que ça fait pas partie de son travail, quoi. Il est pas là pour dire « Mademoiselle !» Hein, ok. Allez, je passe à la question suivante. Bonjour Sonia. Benarba, Sonia. Salut Sonia. Alors, bonjour Mounir. Moi, c'est Sonia d'Anières-sur-Seine et je passe mon heure d'évaluation mercredi. Je voudrais savoir comment cela va se dérouler. Voilà, merci pour votre réponse. Sonia, c'est pas dans mes habitudes de demander ça. Habituellement, je demande juste la ville, mais tu veux bien juste préciser le nom de l'auto-école, parce que j'ai un ami qui travaille, qui a une auto-école à Anières, et ce serait super drôle que tu sois inscrite dans son auto-école. Alors, s'il te plaît, Sonia, pendant que je réponds à la question de Lily, tu veux bien mettre juste le nom de ton auto-école? Ah non, c'est pas celle-là. Ok. Tant pis, c'est dommage. Alors, je vais répondre à ta question. L'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, une évaluation. Hein,
qui aura pour but de définir un volume de formation prévisionnel. Donc, pour savoir combien d'heures tu feras à peu près. C'est vraiment prévisionnel, hein ? C'est prévisionnel. On doit remplir une grille. Alors, il y a deux types d'évaluations. Il y a les évaluations en voiture et les évaluations sur ordinateur. J'ai pratiqué les deux dans mon établissement. Sur ordinateur, donc c'est des tests psychotechniques qui sont faits par des chercheurs à l'INRETS. C'est relativement fiable, mais ça ne tient pas compte d'un certain nombre d'éléments. Et je trouve ça dommage. Et puis, tu as les évaluations en voiture. Donc, tu vas aller en voiture avec ton moniteur. Ton moniteur va te poser quelques questions concernant ta personne, qui es-tu, quelle est ton expérience, quelles sont tes connaissances, est-ce que tu as des connaissances. À partir de là, il va te donner un certain nombre d'indications. Il va te dire, bon, voilà, alors, Sonia, pour pouvoir faire ça, il va falloir faire ça. Le clignotant se trouve là. Pour pouvoir réussir à démarrer, il faudra faire ça. Il va te donner des explications simples. Et tu vas devoir reproduire ce qu'il te demande. Ça va avoir pour but de savoir est-ce que tu es capable de retransmettre un savoir qui vient juste de t'être communiqué, si oui ou non, dans quelles conditions. Et puis à la fin, il va faire un petit calcul. Donc il va avoir un tableau. Malheureusement, je n'ai pas ça sur moi, c'est au bureau des moniteurs. Donc il va avoir un tableau qu'il va remplir et puis à la fin, il va faire un calcul tout simple. Plus 1, plus 1, plus 2, moins 1, moins 2, moins 3, plus 1, plus 2, bien, pas bien, à assimiler. Non, c'est même pas ça les intitulés, autant pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'évaluation. Faible, satisfaisant, bien. Si ton niveau est faible, il va juste mettre faible. S'il est satisfaisant, il te mettra satisfaisant. Et puis si c'est un bon niveau, il cochera la case B. Et puis au final, il fera un calcul. Et puis ce calcul va être lié à un tableau qui est mis à notre disposition, donc c'est le même tableau quasiment dans toutes les auto-écoles, qui définit un volume de formation prévisionnelle. Mais l'évaluation, ce n'est pas un contrat, c'est prévisionnel. Si tu as une évaluation à 60 heures, parce que tu es ultra stressé, etc., ça ne veut pas dire que tu vas faire 60 heures. Ça veut dire en fonction de ce que tu as fait aujourd'hui, nous supposons que tu auras besoin de 60 heures. Mais si tu es prête au bout de 40 heures, elle est belle l'histoire. Tu feras 40 heures. Mais ça va aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que si ce jour-là, tu es super motivé grâce aux explications que je viens de te donner, notamment, et parce que conduire, voilà, tout le monde a envie de conduire, donc on est excité, on est motivé, etc., on est disposé à faire les choses, on n'arrête pas d'y penser, d'en parler, à ce moment-là, tu auras peut-être des capacités. Et peut-être que ces capacités-là, cette envie-là, ce stress positif qui sera là, fera en sorte à ce que tu, je ne vais pas dire te surpasses, mais que tu fausses un petit peu la donne. Dans le sens où, le jour où tu conduiras, quand tu planifieras tes leçons, on ne sera pas dans le même contexte. Peut-être que tu seras fatigué, peut-être que ce sera après le travail, après l'école, tu seras peut-être stressé, peut-être que tu penseras à autre chose, peut-être que... Bref, il y a tellement de choses qui se passent là-dedans que parfois, malheureusement, ça a un impact négatif. Et donc, naturellement, si tu as été évalué à 25 heures et que malheureusement, au bout de 25 heures, tu n'es toujours pas prête, le volume de formation ne s'arrêtera pas à 25 heures. Ils n'ont pas l'obligation de te présenter en examen au bout de 25 heures. Il faudra que tu parachèves ta formation, que tu complètes ta formation pour pouvoir être présenté en examen. Donc détends-toi, tout va bien se passer. Et puis profites-en pour passer un bon moment. Et à la limite, tu me renvoies aussi un petit mail, contact@drive-academy.net, pour me dire comment ça s'est passé. Je suis très intéressé. Voilà Sonia. Lily, à toi. Ah, 20h21. Ouh là là, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble quasiment. Allez, Lily, avant la date de passage de mon permis, je voudrais avoir ton avis sur le comment dois-je planifier mes heures avant la date fatidique. Car le permis coûte vraiment cher et des fois, je pense même si je ne dois pas abandonner, je sais, c'est pas bien. Lily, qu'est-ce que tu racontes? Abandonner, mais de quoi tu parles? Planifier tes leçons, oui, avec stratégie, soyons méthodiques. Tu sais que tu vas avoir ta place d'examen. Partons sur le principe que tu passes ton examen le 28 septembre, le jour de mon anniversaire. Au passage, hein, si l'un d'entre vous s'en souvient, ce serait sympa de m'envoyer un petit message. Hein. Donc voilà, partons sur le principe que le 28 septembre, tu passes ton examen. La question c'est, est-ce que tu es prête au jour d'aujourd'hui? Si oui, combien d'argent tu es en mesure de pouvoir
déposer pour financer des leçons conduites pour te préparer à l'examen. Ensuite, si tu n'es pas prête, c'est toujours une question d'argent et c'est ça le problème. Si la leçon elle était à 10 euros, je suis sûr qu'avant ton examen, tu prendrais 20 heures. Je me trompe ou pas? Non, je ne me trompe pas. J'attends pas ta réponse. Hein. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est une question de moyens. Donc, mon conseil, c'est vraiment, premièrement, éviter une leçon de conduite le jour de l'examen. Deuxièmement, la veille de l'examen, ne surtout pas planifier de leçon de conduite non plus. Il faut vraiment que la veille de l'examen, ce soit une possibilité pour toi pour planifier une leçon en cas de besoin. Partons sur le principe que tu passes ton permis mercredi. Tu auras conduit mercredi, vendredi, lundi. D'accord ? Mardi, tu ne conduis pas. Mercredi, tu ne conduis pas. Comme ça, si lundi, ça s'est bien passé, elle est belle, tu seras détendu, tout se passera bien. Mais si lundi, ça ne s'est pas passé et que vous mettez à l'évidence une difficulté ou un problème, eh bien, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu auras mardi pour pouvoir planifier une leçon de conduite. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ouais, bah, je dirais mercredi, vendredi, lundi, si tu le passes mercredi suivant l'examen. Ou sinon, si tu passes vendredi, tu te dis vendredi, mardi, non, vendredi, lundi, mercredi. Toujours garder un jour. Voilà. Ensuite, Olivier. Quand je change de vitesse, je me concentre souvent sur le bruit du moteur, version moniteur. Dès que le moteur crie, je passe ma vitesse. Peut-on aussi se fier au kilométrage? Du genre 20 km/h, j'ai fait un niveau de boîte de vitesse ou bien pas du tout? Alors, pour le coup, je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas faire crier ton moteur. Ton moteur ne doit pas crier. Il crie, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Allez, vas-y, passe la vitesse, passe la vitesse !» Ah non! C'est mieux de passer ta vitesse, de 0 à 20, tu passes la première, boum, passe la deuxième de 20 à 40, boum, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donne 20 km/h par vitesse. Donc la première de 0 à 20, la deuxième de 20 à 40, la deuxième de 40 à 60, troisième de 60 à 80. Non, j'ai dit une connerie là. De 0 à 20, la première, de 20 à 40, la deuxième, de 40 à 60, la troisième. Donc 50 km/h, c'est bien entre 40 et 60. Donc, on sera en troisième en agglomération maximum, sauf si on veut avoir une éco-conduite et à ce moment-là, on pourra enquiller la quatrième, mais sous réserve que l'environnement s'y prête. Si on est dans une agglomération où voilà, on est sur un boulevard, etc., on a une bonne visibilité, on enquille la quatrième, il n'y a pas de problème. Le travail de rétrogradage, il ne sera pas compliqué. Si on est dans des petites rues, restez en troisième, tranquillement, maximum. De 60 à 80 en quatrième et à partir de 80, tu passes ta cinquième. Et là, on aura un régime correct. Tu ne seras pas en sur-régime, tu ne seras pas en sous-régime non plus. Mais ce qui est valable à la montée, c'est valable à la descente. Olivier, le rétrogradage, c'est pareil. Je suis à 80 km/h. Je freine dès que ma vitesse passe en dessous de 80. J'enquille ma quatrième. Je continue à freiner dès que ma vitesse elle passe juste en dessous de 60. Je passe ma troisième. Et je remonte doucement mon embrayage hein, en maintenant notre frein. Il ne faut pas lâcher le frein quand on est en phase de rétrogradage. Le rétrogradage, c'est la conséquence du freinage. C'est parce que je freine et que je diminue mon allure que je vais adapter ma boîte de vitesse. Pareil, je suis à 50 km/h. Je freine, je suis en troisième, je freine, je descends dessous de 40, je passe ma deuxième. Je remonte doucement mon embrayage, tranquille. Et dès que je descends en dessous de 40 km/h, donc je descends en deuxième. Et on s'arrêtera en deuxième. Voilà pour ta réponse, Olivier. Mina, en fait, pour la manœuvre, c'est pour gauche et droite. Mina, je suis pas d'accord. Il y a une vidéo sur le créneau à droite. Hein? Toi, fidèle auditrice du blog, je suis pas d'accord. Mina, allez, on se réveille, on va regarder la vidéo. Il y a plus de 60 000 personnes qui ont visionné cette vidéo sur YouTube en 3 mois. Vous vous rendez compte? Ne me dis pas que tu ne l'as pas visionné une seule fois. Mina, allez, un petit effort. AIC, dans l'intersection, j'ai du mal à tourner. Alors AIC, je vérifie que tu sois encore là. Ouais, tu es encore là, super. Tu as du mal à tourner. Je pense que tu as du mal à tourner et à la limite, c'est valable pour tout le monde. Les gens qui ont du mal à tourner, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été en mesure d'observer correctement. C'est une question d'observation. Il faut être capable de pousser le regard le plus loin possible.
le plus loin possible, AIC. Vraiment, vraiment, vraiment le plus loin possible. Et que ton regard soit mobile. Il faut regarder loin et qu'il soit mobile. Devant toi, derrière toi, sur les côtés. Regardez loin aussi au niveau de l'intersection et rabatte ton regard vers le trottoir. Tu as du mal à tourner. C'est parce que tu n'es peut-être pas encore capable de placer ton regard correctement. Hein ? Vous avez tendance à regarder trop près de vous. Et puis, s'il y a un piéton qui traverse à ce moment-là, on est surpris, rah, ou on n'a pas une bonne trajectoire. Donc, AIC, il va falloir que tu travailles un petit peu ton regard. Force ton regard le plus loin possible. AIC, tu regardes le webinaire que j'ai donné le mois dernier. J'ai donné une petite astuce, un petit exercice pour travailler l'observation, pour apprendre à regarder loin. Hein, tout est disponible directement là-dessus. Excusez-moi. Catalia. J'ai fait 21 heures de conduite, ils ne m'ont pas validé la première, c'est normal. Alors Catalia, tu as peut-être des difficultés. La première étape, on la valide ouais, entre 12 et 16 heures. Une élève qui a des difficultés, j'ai une élève au sein de mon établissement là, qui a validé sa première étape au bout de la 28e heure. Donc ce n'est pas normal, mais ça dit juste que tu as des difficultés. Et à ce moment-là, il va falloir que tu travailles davantage sur toi-même dans un premier temps, communique aussi avec ton moniteur de manière à essayer de optimiser les leçons de conduite. Catalia, donc ça y est, je viens d'y répondre. Amel, j'ai vu votre vidéo sur les créneaux, mais j'ai toujours peur de toucher une voiture. C'est normal, Amel, c'est normal, Amel. Mais à la limite, la vidéo que j'ai faite sur les créneaux, c'est pas comme ça que personnellement je fais mon créneau. Hein. Là, j'ai donné des repères parce que je sais que vous, les élèves, vous voulez des repères. Oh, les repères, au secours, les repères. Mais il n'y a pas de repères à avoir. C'est une question de géométrie dans l'espace. Être en mesure de pouvoir prendre de la hauteur et définir le positionnement d'un véhicule par rapport à son environnement. C'est une question d'habitude. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Et en ce qui concerne les repères que j'ai donnés, bien sûr que c'est des repères qui sont juste. Limite, limite. Mais c'est aussi pour me... Comment dire ? Pour satisfaire l'auditeur. Pour satisfaire les élèves qui demandent des repères, des repères. Normalement, un créneau, tu n'as pas besoin de repères. Tu sais que tu as dépassé la voiture, tu commences à braquer tes roues. D'autant plus que le jour de l'examen, il ne faut surtout pas penser qu'on va faire la manœuvre entre deux voitures. Hein. Arrêtez de rêver. Hein. Il y a de l'espace, il y a beaucoup de place. Et l'inspecteur vous dira, choisissez votre emplacement. Choisissez votre emplacement. Mais Mina, ne prends pas l'emplacement... Amel, pardon. Ne prends pas l'emplacement le plus serré. Si normal, tu auras peur ou sinon, prends de la distance avec les voitures et puis gère ton déplacement au fur et à mesure. Réussis une fois, réussis deux fois. Et c'est pareil que je disais à Hélène tout à l'heure. Si une fois tu constates que ça marche, ben, il ne faut pas se dire « Ah, ben j'ai réussi !» Et c'est cool. Non, pourquoi est-ce que ça a marché? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche? Et si ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché? La seule question que vous devez vous poser, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Tirez des conclusions de vos réussites et de vos échecs. Et cette question, si vous, vous n'êtes pas en mesure d'y répondre, bien entendu, mon ami le moniteur, c'est bien beau, hein, tu me racontes ta vie, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et je tiens compte de sa réponse, tout simplement. Donc, dans une intersection en TAIC, il a du mal à se concentrer, ok, d'accord, c'est aussi une question de regard. N'oubliez pas de donner mon numéro. Non, je suis désolé, Imen, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Je ne peux pas donner mon numéro de téléphone. Tu sais, je suis chef d'entreprise et je ne peux pas me permettre de toujours être au téléphone. Et là, en l'occurrence, si je donne mon téléphone, je suis sûr qu'il va sonner, mais sonner en permanence. Mais par contre, je vais mettre une petite boîte vocale à votre disposition. Et à ce moment-là, je le signalerai sur la page Facebook et sur le blog de la Drive Academy, bien sûr. Donc Sonia, désolé que ce ne soit pas la même auto-école. Aïssé, tu te prends le trottoir, ben, c'est exactement ce qui me semblait. Ton regard, il n'est pas correct. Ou il n'y a pas une bonne coordination entre la rotation du volant et le trottoir. Tu tournes peut-être tes roues trop tôt. Ou à contrario, tu redresses peut-être tes roues trop tard. Tu sais, il n'y a pas la solution miracle. Malheureusement, cette réponse-là, je me serais fait un plaisir de te la donner. Mais pour ça, il faut qu'on soit ensemble en voiture. Et on n'est pas ensemble. Je ne te vois pas faire. Et c'est assez difficile pour moi. Mais je suis certain que c'est une question de regard. Merci pour ta disponibilité. Alors,
Il est 20h32. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. J'espère vraiment que les conseils que je vous ai donnés sont des conseils qui vous serviront. Le blog de la Drive Academy, il est en train de s'étoffer. Il y a une zone membre qui est actuellement en construction. Je suis actuellement en train de tourner des vidéos très précises, mais ces vidéos-là, ce ne seront pas des vidéos publiques. Ce sera vraiment une zone membre pour lesquelles il va falloir adhérer. J'espère que vous aurez votre permis pour ceux qui le passent d'ici un mois, ce mois-ci. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur le blog. Si j'ai le temps d'y répondre, je me ferai un plaisir d'y répondre assez rapidement. En ce qui concerne les personnes qui ont répondu qu'elles vont passer le permis d'ici plus de 2 mois, soyez attentifs, partagez les vidéos, regardez les vidéos, remettez ça en place, allez à la recherche de l'information, travaillez avec votre moniteur et soyez présents pour le prochain webinaire ou soyez tout simplement attentifs à ce qui va se passer sur le blog. J'espère vraiment que ce que je suis en train de faire, ça vous permettra d'y voir plus clair. Ça vous permettra d'y voir plus clair et ça vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir y arriver. Donc, le club de la Drive Academy sera prochainement lancé. Hein, je vous tiendrai au courant. Je termine sur les messages. Catalia, merci pour ta disponibilité. Lily, merci à toi. Imen, merci à toi. Aïssé, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tracy. Mais Tracy, oh, Tracy, je t'ai pas eu là. Hein, la dernière fois, je pense que tu participais un petit peu plus. J'espère que tu vas bien. Je suis content de savoir que tu es encore là. Et voilà. Donc, Prevost, c'était Sylvie. Ça passe trop vite, mais merci beaucoup. Ça passe trop vite, mais j'en peux plus, moi. Ça va faire 2 heures que je parle. Akli. Oh, bonjour Akli. J'avais pas vu que tu étais arrivé. Mina, merci pour tous tes conseils. Sylvie, désolé. Désolé pourquoi, Sylvie? Ok. Bon, allez. Un grand merci à tous. Merci de m'avoir suivi sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. C'était Mounir. Ce fut un énorme plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez apprécié, c'est maintenant que ça se passe. Il va y avoir 3 choses à faire. Hein, 3 choses pour 1h30 de temps, je pense que c'est pas cher payé. Premièrement, vous allez mettre juste un petit pouce comme ça là, hein, sur la fenêtre de chat que je vois ce qu'il en est. Si vous n'avez pas apprécié, bah vous me mettez un pouce rouge. Amel, Sonia, j'aimerais avoir votre avis. Sonia. Ok. Moi aussi, j'ai passé un super moment avec vous. La prochaine fois, s'il vous plaît, pensez à régler correctement votre webcam. Pensez à régler correctement votre micro. Si vous avez un micro de iPhone, vous savez, les kits piétons de iPhone, vous le branchez sur votre ordinateur, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. Et puis, j'aurais vraiment apprécié avoir un échange vocal et même de vous voir. Mina, désolé, on n'a pas pu échanger, même si tu avais essayé de brancher ta webcam. C'est l'heure pour moi de conclure. Le replay de ce webinaire sera prochainement disponible sur le blog de la Drive Academy. Je vais y travailler tout de suite. Le temps de monter ça, de mettre ça en ligne directement sur YouTube. La deuxième des choses, si vous avez apprécié, partagez. Franchement, si vous avez 10 Facebook, partagez sur vos 10 Facebook. Sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit plus pour toutes les personnes qui vont en webinaire, qui vont en replay. Et allez, je vais même vous dire pourquoi. Voilà, je me confie pour la première fois. Voilà. En fait, j'ai appris que Google, c'est le... Bon, vous savez que c'est le plus gros moteur de recherche. Google, en fait, il va vous classer dans le moteur de recherche en fonction de plusieurs éléments. Et notamment en fonction du nombre de vues sur la chaîne, du nombre de visites sur le site, du nombre de partages sur les réseaux sociaux, du nombre de commentaires et du nombre de petits comme ça là sur YouTube. Alors s'il vous plaît, si vous avez apprécié et que vous regardez ça en replay, n'hésitez pas.
Voilà pour ma conclusion. Je lis les derniers messages et je vous souhaiterai une bonne soirée. Sonia, pardon, merci pour tout. Au prochain webinaire, peut-être, Inch'Allah. Sylvie, salut Sylvie, bonne soirée à toi. Mina, t'inquiète, je vais partager toi, je sais, Mina. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Imen, faut qu'on partage. C'est rare les gens qui font ce genre de bénévolat, alors soutenons-le. Merci. Imen, bonne soirée à toi et à ta femme et à tes enfants. Mina, je leur passerai la bonne soirée de ta part. Merci Lily. Merci à tous. J'espère que vous serez plus nombreux pour le prochain webinaire. Je vous dis à la semaine... Oh, pardon. Je vous dis au mois prochain. Et puis, à bientôt sur les routes. Au revoir tout le monde. Et bonne chance à tous. Voilà, quand ça c'est fait. Salut Akli. Au revoir Catalia. Ah, au revoir. Au revoir à tous. Je suis désolé pour les personnes qui passent le permis de conduire. D'ici ce mois, envoyez-moi un mail. contact@icam.e. Pardon, c'était le nom de mon auto-école. Ça va, vous n'avez rien entendu. contact@drive-academy.fr pour vos questions, pour vos remarques, vos suggestions, etc., etc., etc. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. À bientôt tout le monde. Ciao !